Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Shinai pour un nouvel épisode de... C'est quoi ce jeu déjà? Je crois qu'on n'a jamais joué. J'en ai dû jouer une fois, je crois. C'est... Ouais. Je sais plus. On se rappellera le nom. Ah oui, je vois ton cercle, enfin, putain. Enfin, merci le jeu. Moi aussi, tu veux voir mon gros cercle? Oh, mon gros cercle! Je vois! Si je clique, le capitaine va mal! Non, il va juste un petit peu mal. Pas mal, mais il va un petit peu mal. Ah oui, d'ailleurs, Yaya groupir mon capitaine avec vous, hein. Hop! D'ailleurs, est-ce que je prendrais pas la place de Melanine parce que je pense que je pourrais avoir plus de monde autour, genre comme ça? Qu'est-ce que t'en penses-tu? On te met du monde autour aussi. Ouais, je pense. Hein. Pareil, je pensais vous mettre dans le coin, pas trop loin, genre un Taurus, tu vois. Mais, hop là. Mais pourquoi on fait un truc stratégique? Il y en a un qui va dedans et après. Mais non, mais ça bouffe des points de taper des gens. Et on en a que 3. Donc je prends mon beau mur. À moins que tu veuilles prendre ou que je prenne un lieutenant Will. Je booste. Ah oui, je déplace lieutenant Will, regarde. Je booste mon mur. Je donne l'ordre. Et je m'arrête juste à côté. Ça fait plein de points. Ça fait plein de points. Vas-y. Je me mets plus, même plus par là, tu vois. Vas-y. Bah, j'ai pas Zinlane. Je suis collé à mon meilleur ami. Voilà. Est-ce que vous sentez ma bonne grosse lance dans votre dos, capitaine? Je suis votre meilleur ami. fin du tour. Point de bravoure temporaire. Oui. Ah oui, d'accord, on va se retaper tout le tutal là. Super, formidable, merci. Vas-y. Taurus, Zinlane, Sophie, tirailleuse. Pète du point. Ok, t'en as gagné un peu. Un ou deux. Volant. Donc. Une déstabilisation. C'est là où je me dis que cette partie-là, limite, elle est pas bonne. Parce que mes persos ont des stuffs bien meilleurs que ça. Parce qu'on se traîne des stuffs nuls en fait. Ah oui, et encore, on vient de forger, hein. Attends, je peux vous nous donner la bravoure. Guerre à la brutalité, excuse-moi. Là, je peux nous donner la brutality. Vous prendrez bien une petite brutality. Oh, je vois même la zone. Oh. Ah ouais, hein, la zone, elle est agréable. D'ailleurs, mec, j'ai trouvé une huile sur ma partie. Une huile. Oh là 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 là. C'est l'huile des braves. À chaque fois que tu utilises un point, t'as une chance que ça t'en redonne un. Ah. De concentration. T'as 50% de chance. T'as l'huile de concentration qui fait passer ce bonus de 50% à 100%. Tu vois le mec, le hachiste que je te disais, qui consommait énormément de points. Bah au final, oui. Il en consomme plus du tout. Il en consomme un. Alors qu'il fait tout. Il fait tout. C'est très drôle, je trouve. Ça sera ton premier close, son premier vrai close. Close. Ah de... ouais. Heure d'engagement, si la cible est engagée, elle a les capacités, elle gagne riposte. Oh, tu ressens? C'est... Oh, je connais un capitaine qui aura riposte, il en mettrait des gifles. Il l'a chaque fois qu'il s'engage, hein, riposte. Toi, celui qu'il te faudrait, c'est le... C'est celui de... Ah non, faudrait sur Taurus, excuse-moi, pas sur le capitaine, il le faudrait sur Taurus. Ouais. Toi, il faudrait celui d'Alazar. C'est à chaque fois qu'il se prend une patate, il en met une en attaque d'opportunité. Ah oui. Oui, là ça serait parfait. Je te laisse le prendre et le désosser puisque Mavig elle est au gros temps plate. C'est une vraie question, c'est d'ailleurs est-ce que Mavig on le garde ou pas? Est-ce qu'on dégage pas Mavig pour en faire une. Pour la remplacer par un personnage tout en force? Non, moi me dérange pas. Hein. Tu veux le prendre le bouclier pour le désosser? Je sais pas quoi. J'ai pas. Voilà. Bon, on a tabassé un Jean. Il y a plein de coffres à déverrouiller. Ouais. Allons déverrouiller les coffres. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour valider influenceur. On est des influenceurs, hein, t'as vu. Hein. Mais je me souviens qu'on l'avait fait, ça. Mais oui.
je t'avais même trigger parce que je fermais pas les trucs à chaque fois. On s'est arrêté beaucoup après ça ou pas? Je sais plus. Ça fait peut-être 2 semaines qu'on n'a pas joué sur cette partie, donc là... Ça fait même peut-être même plus que ça, avec ma formation. Là. Ah non, on avait joué... On avait joué pendant un samedi après-midi. Ouais, c'est possible, hein, je te crois sur parole. je ferais même pas semblant d'essayer de m'en rappeler. Hein. J'ai même pas lancé le café tellement je suis au bout de ma vie. Est-ce que tu peux... Bah attends, c'est simple. Est-ce que tu peux regarder sur ton lancier, savoir si on a débloqué la nouvelle spé que j'avais trouvée? C'est le halbardier. Ah, je te dirai ça dès que t'auras... Ah sinon, je peux te dire maintenant, excuse-moi. C'est sur Will. Ouais. C'est sûr. C'est préparation? Non. Non, c'est... On a, c'est normalement, t'as 4 icônes maintenant. 4 icônes. Attends, je vais les regarder. On va aller dans le corps. Changement de rythme. Oui, présence inspirante. J'ai des nouveaux trucs qui sont apparus. Ouais, bah c'est bon. Idéal. J'en ai 4 sur le niveau 5 et 8 au lieu de 3. Parfait. Ok. Bah, je te laisse vérifier quand même par toi-même, que je me serais planté. Je vais faire le passage de niveau de la châtaigne. Qui va évidemment gagner en constit. Non, le temps s'écoule pas ici, je crois. Oui, on gagne plus de transport. Non, je suis sur mes. Je suis directement sur mon menu en haut à gauche. Stevie en niveau 9. Un truc sympa que j'ai découvert en jouant avec Zell, c'est que tous les objets de craft qui sont mis dans le coffre sont utilisables. Dans le coffre de camp. Ah, on a plus besoin de les sortir. T'as plus besoin de les sortir. Parfait. Ils ont fait quelque chose de bien pour la coop. Oui. J'ai chopé une lance niveau 9. Jamais ça t'intéresse. Oui, bien sûr. Surtout que j'ai des gens qui viennent de passer niveau 9. Moi, j'ai une nouvelle incroyable pour toi. On a quand même deux poneys qui viennent de passer niveau 8 et qui viennent donc de débloquer tous les deux coureurs des plaines. Hein. Cool. On vient de prendre 10% de transport et 10% de vitesse en plus. Pas mal. Voilà. En plus de tous leurs points de constit, on est pas mal. Comme t'as pu voir, on a augmenté un peu notre stockage. Ouais. Ah oui, elle avait des ferlantes de coups. Mais je crois que je te l'avais déjà repassé celle-là, non? Non, c'est pas je viens de la drop là. Je viens de la drop. Ok, on va retourner sur le camp parce que je vois qu'on a des carcasses à traiter. On va voir ça dans mon inventaire. Ouais, on a pas mal de choses à traiter, ouais. Mais surtout, on a un repos à faire. Yep. Alors, Einzwei. Non, Zwei. Et Einzwei Dry. Deux personnes sur les... Hop. Je te mets déjà un gros. À dispo. Je te mets Will aussi. Allez, je te mets Will. Et d'ailleurs, Will, ta lance, c'est quoi? Cette lance est moins bien que la lance de Will. Ah oui, elle est moins bien que ce que j'avais fabriqué. Hein. Je vérifie sur le gaming. Mais ouais, elle est moins bien que mes lances que j'ai fabriquées, elles donnent moins de crit et elles ont moins 3 de force. Hein. Et elles n'ont pas l'empalement en plus, elles ne repoussent pas. Ah ouais, d'accord. On aime le repoussement, on aime le repoussage qui se rapporte au plumage. Donc je t'ai rendu la lance, si jamais tu veux la vendre, la désosser, je sais pas quoi. Ouais, égale-toi. Attends, est-ce qu'on a encore des huiles? Par contre, j'ai l'impression que ça fait quand même quelques épisodes qu'on ne décolle pas du niveau... du niveau de recherche max là. Sauf qu'on on n'a pas abonné là. Ouais, il va falloir que j'aille craft des huiles pour Zinlen. Parce que je vais lui changer son arc. Alors je te le montre dans le coffre. Hein. Là c'est l'arc qu'il a à l'heure actuelle. J'ai trouvé cet arc là, il n'y a pas longtemps. Le premier c'est l'arc de guerre, c'est ça? Ouais, l'arc de guerre, il est bien hein. 52 celui-là. Ah oui, alors, il y a un gros bonus. Tu prends 18 de dex. Et il fait quoi? Ah oui, mais en dégâts infligés, il donne combien? Remets l'autre. Parce que tu sais, le pourcentage de dex de dégâts infligés n'est peut-être pas le même. Hein. Ouais. Méfie-toi. Hein. Parce que la volée de flèche fait quand même 30 à 80. Alors que là, il s'arrête à 35-50. Oui, mais l'avantage de Zinlen, si la cible c'est que... Si la cible est une dernière armure, les dégâts sont triplés.
L'avantage de Zinlane, c'est que sa dextérité détermine les dégâts de ses attaques d'opportunité. Donc 4 de ses attaques. Tu vois ce que je veux dire? 4 de ses attaques, comment ça? Bah, les attaques d'opportunité dans sa zone, c'est des attaques d'opportunité. Oui. Et donc c'est 50, ça prend en compte 110%. Ah oui, c'est 110% de tes dégâts du coup grâce à la table. C'est ça. Parce que c'est pas des attaques. Oui, c'est vrai que c'est un peu shit ça. Ouais. Je sais pas si c'est bien plus intéressant. En vrai, attaque de nouveau sur un crit, c'est quand même fat hein. Ouais. Ça peut te permettre d'abattre quelqu'un hein. Mais le problème c'est que pareil, c'est que c'est est-ce que ces règles marchent dans le cadre d'une riposte? Oui, c'est une attaque d'opportunité, les ripostes. De port. Ah, on s'est pas planqué. Ah, on a oublié de se planquer. Ouais. Salutations. Bonsoir. Tu nous excuseras, on est en tournage. Dis bonjour à ton tube. Salut, salut, désolé, je pouvais pas savoir. Non, y'a pas de soucis, hein, c'est nous qui sommes au milieu. Tu peux dire bonjour à ton tube, comment vas-tu? Tout ça. Bah, comment allez-vous, YouTube? Désolé, bon tournage. je vous reverrai à un autre moment. Désolé du dérangement. Bon, ça marche. Bisous, bisous. Des bisous. À la prochaine. On va aller se cacher bah du coup dans le tripot. Bah dans le tripot. Allez, dans le tripot, bien sûr, le classique. Voilà. nous sommes des fous, ton tube. Bon, après, ils sont un petit peu habitués aux épisodes en vrac. Ouais. Non, bah je vais monter ma stat de dex, tout le monde. Ta stat de dex, ouais, vas-y, hein. Bah oui, attends, je prends 18 points de dex. Y a pas de raison, oui, c'est ça. C'est qu'à ce stade-là, ça devient beaucoup plus intéressant juste pour le nombre de points de dex que tu prends. Et surtout, c'est un arc 2 étoiles. C'est très rare qu'une arme qui est drop ait des étoiles. Certes. Ça veut dire qu'il y a des pourcents de stats supplémentaires. Enfin bref. Ah, par contre, ça c'est dommage. Le bois du campement, c'est toujours le bois qui est sur moi. C'est toujours pas le bois du coffre. Ah. Oui, ça, oui. C'est les objets que tu utilises. Ça leur passera. Qu'est-ce qu'on se passe en plat pourri? On peut se prendre... Là, qu'est-ce qu'on va aller faire? En vrai, on repasse par la ville. On va récupérer de la marchandise, 10%, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si on a des quêtes de marchands. Mais on a des gens tabassés, on a des trucs dans notre journal là. Bah attends, je vais regarder sur les quêtes. Alors, je veux bien. Non, on n'a plus rien à faire dans ce coin là. Ah si. Quand on va aller en ville, on va sûrement être appelé par soit le seigneur Vernalis, soit le seigneur Laert. Sauf que je pense que ce sera Vernalis, donc il faut qu'on aille en ville. Et on va pouvoir terminer le scénario d'ici. D'accord. Ok. Et il va falloir qu'on fasse la traque. Il va falloir combattre. Il va falloir faire la traque d'Arthès aussi. On l'a toujours pas fait. La traque de la région, on l'a pas fait. C'est vrai. Attends, je vais nous enlever un de viande, je vais nous mettre un de picole quand même. C'est bon. Il y a encore deux événements sur la région qu'on n'a pas fait. Donc il y en a un qu'on n'a pas découvert. C'est peut-être un truc de rat qu'on n'a pas fait. Je vous ai mis un bonus de dext. C'est juste pour savoir si je nous passais des produits de base ou si je nous mettais des trucs un peu costauds, c'est surtout ça. Ok. Ah, tu vois, le seigneur Vernalis nous demande. Ah. On paye. On est vraiment obligé. Bon, vas-y, prends ton billet de 260. C'est vraiment parce qu'on est sur les rotules. Hein. Merci, au revoir monsieur. Au revoir. Putain, après on perd des points de justice. Hein. Après, ouais. Ils prennent beaucoup de points d'XP, Stevie et Tyrius là. Oh, Taurus, c'est sevré de l'alcool. Taurus, c'est sevré de l'alcool. C'est normal, c'est un cuisinier. Il est parfait. Il ne souffre d'aucun défaut. Et je crois que Sophia a des choses à nous dire. Ouais, et t'as le lieutenant Will à déplacer. Et ainsi que et de le gros. Cadavre. Voilà. Ah, j'ai oublié de récupérer ça pour la. La désossée. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah j'ai déplacé mes gars, c'est toujours un peu compliqué.
Après, faudrait peut-être qu'on clairsomme un peu le truc. Bon, oh, Sophia, qu'est-ce que t'as à nous dire? C'est mignon. C'est convivial, quoi. Ah, mais je sais ce qu'on a pas fait. Je sais ce qu'on a pas fait dans le coin. Ah non. Ah, tôt. J'ai mâché des feuilles de menthe toute la soirée. J'ai même pris un bain et je n'ai plus qu'à demander à Sophia de m'épouser et ensuite je préviendrai le prêtre. Alors ? Vas-y, let's go ! Elle est d'accord ? Vas-y. Elle épouse quand même l'homme le plus important du camp, cuisinier. Le mec est devenu général. Let's go. Il est amiral en chef. Bientôt il sera sacré empereur. Juste parce qu'on mange beaucoup, tu vois. On mange beaucoup et bien. Et bah voilà. Toi du coup t'as débloqué un succès de ton côté, non? Non, je l'ai débloqué sur ma partie. Ma capitaine a déclaré sa flamme à ma coutelière. Ok. Bon moi j'attends plus que Will qui essaye de demander en épousaille le capitaine, hein. J'attends plus que ça. C'est tout ce que j'attends. Hein. C'est vraiment tout ce que j'attends. Ou Os de Bart qui veut se marier avec un poney. je suis pas sûr que ça soit possible. On va voir Vernalis. Ouais, on va où tu veux. C'est par là. Okay, le tombeau on l'a fait ou pas? Oui, on l'a fait. Oui, c'est la masse de... Oui. Mais le truc, c'est que... On me dit qu'on n'a pas fait la traque, mais dans ces cas-là, je vois pas où et quand la bestiole... Ou alors c'est parce qu'elle apparaît qu'à une certaine heure du jour ou de la nuit. Il y a une corde ici, si jamais, ouais, voilà, c'est ça. Je sais, ouais. On t'a attrapé la source, là, je crois. Ah, merde. Chantos. Chantos. Une histoire de fruits. Ah oui. Attends, ils ont pas un apothicaire ici? Oh parfait, si. Attends, faut que j'aille voir l'apothicaire. Alors, il me faut une huile de vivacité. T'as fabriqué une poudre de Lazare et un résidu de la chimie en plus de ton c'est huile. C'est ça. Et une huile d'affilage. Est-ce que pourrais-je avoir, s'il te plaît, 5 de sel? On n'a pas. J'ai pas. Ah ouais? T'as pas, t'es sûr? Putain, vas-y. J'en donne que 5, sinon il va voir les stocks. Hein. Je voudrais pas qu'il voit les stocks. Il va me juger après. Bah, ce qui est bien, c'est que tu peux juste tout mettre dans le coffre et moi je peux. D'ailleurs, en termes d'huile, on est bon partout sur tout le monde là ou pas? Bah, normalement, oui. Ça, je viens d'en refaire là pour. Ah, j'aurais pu en économiser une. Ah, mais huile de vivacité, c'est intéressant ça pour Zidlen, non? Bah, c'est ce que je viens de lui faire. Ah, d'accord. Ok, parce qu'elle en vendait, c'est pour ça. Ok, ok. Ah ouais, je sais. Je viens de la craft. Donc, c'est notre nouvelle huile. Voilà. Viens de monter de 15%. Alors, mes attaques d'opportunité mettent 120% de ma dextérité. Bon, bah, à l'heure actuelle, elle est de 105. On est sur une bonne base. Et je viens de monter de 2% de mes chances de coup critique par rapport à avant. Petite information, est-ce que tu as regardé les connaissances, surtout la forge, mon jeune ami? Non. Nous allons regarder ça tout de suite. D'ailleurs, ça s'appelle pas la forge, ça s'appelle l'enclume. Il y a des casques qui ont fait leur apparition et surtout quelque chose qui est très très intéressant. Il y a de nouveaux écus qui sont apparus au passage. Oui, et il y a les renforts colossaux. Nécessite une recette, faudra faire le tour de tous les marchands et forgerons, voir si c'est pas un des marchands ou forgerons qu'on a déjà croisé qui le fait. Tu m'as dit, il y a quoi? Il y a le... Bah, descends, tu vas voir, il y a les casques cheval. À la 1, 2, 3, 4, quatrième ligne. Quatrième ligne à droite. Il y a les casques, les 7 de casques. Ah, ok. Les ennemis ont des casques maintenant. Ah. Et nous, on peut même s'en faire. Il y a des casques qui sont extrêmement forts, par contre. Bah, surtout, dans tous les cas, ça nous file de l'armure en plus, quoi. Pas tous. Il y a des casques qui donnent du critique, de la volonté, de la garde. Il y a même le casque
franchement, de l'armure lourde est trop fort. Pour chaque renfort que ton armure a, tu gagnes 4% de garde. Allez, bah, il faut qu'on fasse de la connaissance. Hein. Le monsieur, il voulait nous parler, non? Ah oui, il voulait nous parler, le monsieur. Le mec, il s'est déjà barré, là. Il a fait sa popo, il en a plus rien à foutre. C'est barré. C'est ça. Vas-y, parle au monsieur. Blessed be Jeroen. Our paths cross once. Bonjour, nous sommes ici pour nous marier. Non, c'est pas ça. Je remercie Jéru de vous avoir placé sur ma route. You must become the punishing arm of the eye. Join my ranks one last time. Eh, c'est 300, hein, mec. Ah bon, je prends 300 billets, hein. On prend 300 billets, hein. On a déjà pris 300, on veut bien reprendre 300, hein. Surtout qu'on les a filés à la garde, hein, sous forme de taxes, hein, alors c'est bon, hein. C'est bon, on a déjà donné, hein. Eh, monsieur l'agent, par contre, c'est à l'autre bout de la carte, hein. On a abusé un peu, non? Ouais, bah on peut repasser en ville, récupérer de la marchandise. Tout à fait. Surtout que maintenant, on peut porter hyper lourd. Et je crois qu'on en a en plus mis dans la... dans le comptoir. Parce que c'est ici qu'on avait fait le comptoir. En vrai, les comptoirs, c'est vache... Sur ma partie, je trouve ça utile. Parce que j'ai tellement de bordel régulièrement, genre mes armes, mes armures... Ce que j'attends, là, c'est qu'ils nous fassent quelque chose, là, des petites ruines, là-bas, là. Ouais, ouais. Attends. Attends. Porte du sépulcre. Bah oui. Il y a un nom dessus. Mais toi, tu vois les noms, mais moi, je les vois pas, je sais pas pourquoi. T'es bugué, t'es en mode bêta, c'est pour ça. Chelou. On va pouvoir se taper des tombes avec des nécroliches de niveau 20. Ouais. Alors si tu veux tomber sur une tombe assez corsée, je t'emmènerai quelque part. Après. Vraiment. Ah t'inquiète, on aura le temps de se les taper les uns après les autres. Oh, il nous fait une brosse à cheveux, hein. Cheveux doux et soyeux, ouais, passer le poil de sanglier. Ah ouais, il y a une brosse à sanglier. On peut poncer du cochon. On avait d'ailleurs pas des quêtes de livraison de trucs chelous, là. Attends, je regarde. Désolé, c'était pas ça que je voulais faire. Non, pas de soucis. Je suis entre deux si je peux nous faire une course ou pas, là. On doit emmener de la fourrure à Stromkar. Utile. Mm-hmm. Et on doit emmener de la fourrure à Marheim. 4 de fourrure dans les deux cas. Ah oui, donc oui, il faut absolument qu'on a... Ouais, faut... T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Tout à fait sérieux. Mais on est dans la HES, c'est dans le SMS. Mais on a deux fourrures. Hein. Non, je suis sûr, on en a plus. Bah, j'en ai deux sur moi. Ouais, attends. Sors, s'il te plaît, pour voir. Attends, sortir de quoi? Bah, du lieu, là. De ah, ok. Aller au camp? Ah oui, sortir, je... Je ne sais pas non, ce que tu veux faire. Du camp. Je sors du camp. Je sors. Et moi, je vais aller voir là. Ah, ok. C'est mieux. Mais il en manque toujours un peu. Vite, alourdissez-moi. Je me sens si léger. Ça va mieux. Ouais. On a de la marge maintenant, grâce à la montée de niveau. Alors, on a de la marge, pas tant que ça. Hein. Dieu le chien. Pas tant que ça, hein. 919, c'est pas énorme. Hein. Là, il nous reste plus d'une centaine de kilos sous le coude, quand même. Hein. Ouais. On a que de la marchandise à prendre, hein, globalement. Bon, à part de la tôle, tout ça, mais tu vas les désosser, donc... Ouais, c'est vrai que je désosse pas mal en ce moment. C'est ça. Hein. On a des trucs à revendre. Ah tiens, j'ai vu un truc aussi très chiant au passage. Dans les tavernes, maintenant, ils te proposent de faire les luttes. D'ailleurs, on n'a pas fait le lutte. Il y a de nouvelles chansons. Je peux pas. Là, je propose pas. On l'a fait il y a pas longtemps. Consultez. Qu'est-ce que tu vends? Qui on a pas tapé? La madame là. La vaincre la compagnie de Bart. Ouais, on va la prendre. Bah bien sûr. Mais alors, pourquoi tu vas payer? Tu payes? Mais putain, par contre, ils sont tellement relous sur les négoces. Du fond de la prison, la chef de la brigande réclame la mort de ceux qui l'ont arrêté, le bataillon de Domirem. C'est en bas à gauche. Est-ce que tu veux qu'on prenne une quête forcile? Ouais, vas-y. On la prend aussi, on clean la zone. Par contre, c'est en bas. Mais c'est pas grave, c'est là où on va aller. Ok. Ah bon, bah on a pris un petit bif. Ok, c'est bon. Par contre, que tu réussisses ou pas, c'est 494... Ah non, c'est 400... Ok. Qu'est-ce que c'est que ces négociations bizarres?
Je sais pas. On a gagné 424 sur celle où j'ai réussi les 3 tests et l'autre 494 sur celle où j'ai réussi les 2 tests. Oui, parce qu'il y en a une qui est de... La de... drogue. Oh, marché, il y a un mec que j'ai pas vu, je sais plus ce qu'il vend, lui. Excuse-moi, je me rappelle jamais de rien. Ils vendent du cochon, ils vendent du loup. C'est pas important, ça c'est des trucs qu'on trouve dans la nature. Sauf si, attends, sauf si on voulait du lait. Il y a un truc qu'on fait avec du lait. Je lui pète à son lait. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on fait avec lait. Même si on en a beaucoup. Je lui pète à. J'ai peur de voir les stocks. On a que 31 jours de bouffe, frère, on est ricrac, hein. On est pas large. On fait quoi? On fait Bart en premier ou pas? Ouais, on peut se faire ça, les criminels, à gauche ou à droite, comme tu veux. Là, tu as envie de prendre la première à gauche ou la première à droite? Gauche. Ok. J'aime bien les tabasser, des gens à gauche. Le mec, il aime taper des bobos gauchistes. Non, c'est week-end. Je sais pas où tu vas, là, par contre. Moi, je vais voir s'il y a de la menthe. Hop, petite chambre, voilà. On leur a parlé à ces types? Moi, je pense que oui. Thanks for helping us kill this monster. Ah oui, c'est vrai, on avait tué des pestiférés. Ah, et du coup, lui aussi, bah oui. Ah, tiens, prends 3 bouts de pain. Shinek est content. Je sais pas ce que j'ai accepté, mais j'ai accepté. Bisous. J'ai joué comme un joueur de MMO, j'ai juste cliqué avance. Ça me fait tellement penser à l'épisode de Papy Grenier sur WoW. C'est exactement comme ça qu'on joue tous. Ah, il y a des cauchemars à gauche, tu veux aller leur faire dire bonjour. Ah non, pause. J'ai pas envie du tout. C'est l'heure de la pause. Dans une situation non dangereuse, bien sûr, je tiens à spécifier, c'est très important. Ah, 80%, c'est 0%. Aucun risque d'agression, Zissi. Aucun, je vois pas ce que vous pourriez prendre pour de l'agression. Mais c'est bien que qu'on ait réussi à sevrer quelqu'un là, de l'alcool. C'est top, hein. Ouais. Je suis grave content. On met un petit brouet d'anguille, ça me fait plaisir. Après, il faut que je te montre un... Quand on va aller du côté de Marheim, il faut vraiment qu'on aille chercher la recette que j'ai trouvée. Elle va te faire tellement plaisir. Je t'ai augmenté les dégâts critiques de 20%. Ouais. Non, je précise que je sens que c'est un repos qui a l'air d'être un petit peu chaud. Non. Oups, des ours fantômes. Qui sont nouveaux. Avant, on n'en avait pas. Non, avec des sangliers, des loups et le cauchemar. Ils viennent d'apparaître. Ils sont assez vénères, en vrai. Alors, avant qu'on entre en combat, figurez-vous YouTube qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. J'ai oublié ma tasse à café, je vais en chercher une, j'arrive. Je vais passer mes gars. Bon, alors, ton tube, on va expliquer vite fait ce que font les ours fantômes. Un coup de patte monstrueux, à chaque fois que cette unité est... Si cette unité est déjà engagée quand elle le fait, elle gagne acharnement. Acharnement, ça permet de taper une fois supplémentaire en attaque d'opportunité. Le sprinter voilà. Né, comme tous les ours. Comme tous les ours, mouvement doublé. Chaque fois que cette unité applique une attaque... Elle afflige un terreur, elle réduit de 3 quand elle meurt, et quand cette unité doit mourir, elle gagne Berserker. Ce sont des ours classiques, en somme. Mais des ours classiques avec beaucoup de PV. 1396 quoi, un point de vie ou deux quoi, comme on dit dans le milieu. Ouais, c'est un peu plus que Os de Bard qui est un peu jaloux. Wow. ils sont un peu gros quand même hein. Il y en a une qui est toute seule, on va ramener ma vigue ici. Oui, oh. Est-ce qu'on pourrait mettre le capitaine au milieu d'un pack? Ah ouais, ça ressemble à un pack ça. On va mettre ma vigue. Ouais, non, on va laisser ma vigue là. Tu peux nous rapprocher Mélanine ou un truc comme ça, you know what I mean? Mélanine. Attends, c'est vrai, Mélanine, on peut la rapprocher un peu. Il me faudrait...
Il me faudrait quelqu'un ici. Bah ouais. Un arc ou n'importe qui. On va mettre Edenal. Il est à côté de Taurus. Bah non, Taurus. Non. Taurus, Taurus est de l'autre côté. Non, voilà, mais comme ça. Ouais, quoique. Quoique. Non, comme ça. Ouais, comme tu veux, mais il me faut quelqu'un. C'est bon. Alors, est-ce qu'on est sur une utilisation d'ordre avant de jouer? Est-ce que c'est bien nécessaire? Je ne pense pas. Est-ce qu'on veut pas envoyer Os de Bard d'abord masser les côtes des trois types qui sont là? Vas-y. Potentiellement. Ou alors, je peux placer une zone, faire une attaque et placer une zone sur l'intégralité de du crew en face. Soit les loups pour être sûr de les buter, soit... Ah moi c'est pour masser le cochon qui joue juste après, sur tout ça. Ouais mais moi je peux le taper hein, tu veux avec... Tu le butes ? Parce que là je touche les trois moi, c'est comme tu le sens. Le buter si je fais un critique, oui. Mais bon j'ai que 60% de chance de coup critique. Donc, ce qui est insuffisant. Ce qui est insuffisant. Et bah sur ma partie je suis très content d'avoir trouvé le brouet aux anguilles, le chou farci hein, putain. Oui, parce qu'il donne des bonus de chance de crit. Oh, putain, ça fait des sacrés caisses à pèves en face, hein. 10% de chance de coup critique et quand c'est en délicieux, 15%. Ah oui. Est-ce que je l'engagerais pas sur une faiblesse plutôt? Mm-hmm. Ensuite, le coup affaiblissant. Critique assuré. Ok. Il mourut rassuré. Et je vais rester là pour les embrouilles. Ok. Ça me paraît très bien. C'est l'ours qui est loin, il va pouvoir venir taper Os de Bard, voir qui il veut. Il peut venir taper Os... Hein ? L'ours, ouais. Ah ouais, il atteint. Putain, il m'atteint. Ouais, mais il a sprinterné, il gagne inspiration, le monsieur. Bah nous, je vais nous un race de points, je pense, hein. Genre, voilà. Arrache de point. Je pense que là. Je vois les zones! Enfin, pas trop. Pas des masses, hein, quand même. Je la vois pas des masses, hein, perso. Mais après, ça, c'est. Voilà, c'est je nous ai filé 6 points à l'occasion. Ouais. Et bah, je peux pas aller plus loin. Voyons voir jusqu'où lui il va. Oh, lui, il est trop chaud, lui. Oh, ça va, il s'arrête. Ah là là là. Puis-je avec mon petit Ah oui, vas-y, je t'en prie. Alors, il y a très peu de chances que j'arrive à buter l'ours. Donc je vais me placer... Mais tu peux baiser les loups par contre, c'est parfait. Ouais, je vais aller me mettre ici. Mmh, parfait. Si. Ah. Non, c'est juste pour avoir le truc de meilleur ami, je bougerai après. Bah tiens, toi le loup là. Bonjour le loup. C'est quand même des bons dégâts. Ouais c'est... Et je vais me mettre non, ici. Non, ça va bloquer. Non, oui. Ah tu peux prendre l'ours hein, dans ta... Une petite zone comme cerf. Ça Même si tu veux serrer un peu plus à droite. Ouais, parce que... En fait tant que t'as la moitié du socle de l'ours, c'est bon, il sera dans le tien. Je parle de cet ours là, alors attends. Je te ping, parce que maintenant j'ai une nouvelle souris à 5€. Ouais, 5€. Mais en fait, le sanglier, si je le mets là... En fait, ah oui, tu le tapes aussi. Je le touche comme il a une charge à la con, donc je vais le taper. Oui, vas-y, si tu veux. Oui, comme ça tu peux prendre le sanglier. Hop. Faire un cochon. Bah, tu peux jouer en Taurus. Voilà, je propose d'avoir genre à peu près tout le monde. Un Stevie en prêt, quoi. Après Stevie, s'il est à côté de quelqu'un, il le donne, donc c'est pas forcément. Ce rire diabolique. Presque pas. Ah par contre, faut que l'ours il joue, il bouge hein, si il va bouger, regarde. Ah, ok. Il va bouger de 1. De 1, mais ce sera la flèche qui va bouger. Ah, le 104, il me fait plaisir. C'est dommage qu'il ait pas continué. Ah, une petite bombinette. Corrosion, c'est sympa. Bah c'est de tes bombinettes, hein. C'est dommage qu'ils aient pas d'armure.
Les ours ils ont pas d'armure même... Oui bah ils n'ont pas d'armure. Mais c'est rigolo quand même. C'est rigolo quand même, ouais. Voilà. Juste là. Ok. Attention, inspiration pour aller bouger. 184. Ah ça va, ça va. Dommage que t'aies pas fait un crit, hein. Ouais, c'est un peu dégoûtant. Est-ce qu'on jouerait pas une petite Sophia? Hein. Ou alors ça non. Ça me paraît un peu tôt. Je pense qu'il vaut mieux continuer à avancer en Edenal des archers pour plomber. Je peux faire par un exemple, truc drôle. Pour bouger des ours, si t'as envie de bouger des ours ou des trucs comme ça. Puis-je tenter de faire un truc très drôle? Vas-y, oui, je t'en prie. Hein. Je peux le faire. Oh, ah ouais. Ça va être mignon. T'en fais 3? Ouais. Joli. C'est rigolo. Ah, elle a... Si elle avait le sprint, t'aurais pu la ramener. Ouais, mais je vais la ramener après là. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pas compris. Ah, bah parce que j'ai poussé. En fait, quand je fais un critique avec cet arc là. Oui. Et eh ben. C'est. Le type est repoussé en fait. Et repoussé dans la zone fait que bah. Fait que bah tu le vois là quoi. Eh, je voulais. Pourquoi il s'est pas collé, enfoiré? Bah je peux jouer un Edenal. L'homme du close. Le loup, il est mort forcément avec le avec l'attaque de plantes. Le loup. À 210, hein, ça pique. Hein. Il restera une attaque d'opportunité pour le dernier le loup qui va jouer. Parfait. Bon, on va le laisser là. Tu peux avancer une Mavig là-dessus, hein, si tu veux. Sur quoi? Sur le loup fantôme qui va jouer là. C'est lui, pas lui qui joue, c'est lui qui joue. Ouais, mais lui, il va forcément bouger, il est dans la zone. Oui, mais non, il est pas dans la zone. Il est pas encore dedans. Il faut que je rappelle son socle, il est là, hein, il est au mid. Donc okay. Je veux pas aller le mettre là et qu'il fasse « Oh bah en fait je vais aller ici tu vois, je vais faire tac, je vais aller là. Ouais, » Donc c'est pour ça que j'étais plus en train de me dire « Bah écoute, je bouge un wheel, je mets des ordres sur tes bonhommes là, à la limite, et puis parce que ça me coûte gratos, hein, c'est-à-dire que je vais m'arrêter là. » Bah décale-toi un poil dans ce cas-là. Ah sinon je me mets carrément là. Ouais, ça en générera deux avec Zinlen et Thierry. Là j'ai du monde, hein. J'ai tout le monde, ouais. J'ai Sophia, j'ai tout le monde. On est bien. Je sais pas, à cause du terrain de neige, je vois pas. Ah, bah j'ai les 4. Ok, d'accord, génial. Voilà, j'ai les 4, je m'arrête en fait, là. Ils ont fait l'erreur de mettre ça de la couleur du joueur. Oh, je peux aller faire un truc. Ouais, le fais pas tout de suite, attends que le loup bouge. Moi je vais me paquer, je vais me repaquer ici avec un lancier tranquillement. Voilà. Ah oui, mais il nous reste encore. Ouais, bah, si t'as des choses à faire, vas-y, je t'en prie. Sinon, je bouge ma vigue. Bah, attends. Je vais faire ça. Hein. Écoute, elle aussi, c'est drôle. C'est toujours drôle. Hein. Bon, bah, au moins, on sera sûr qu'il sera mort. Touk touk. Bonjour. Oh, t'es pas mort. C'est triste. Ah, bah, si, t'es mort. Et puis bah je reviens. Oh, t'es pas obligé de repartir aussi loin, tu peux aller te mettre du côté d'Os de Bard par exemple. Hein. Ah ouais, je peux. Alors là, si tu veux, ou par bah, attends. Là. Je vais être généreux, je vais lui mettre un petit saignement quand même. Ah oui, tant qu'à faire. Profite, hein, on a quelques points, hein, si t'avais envie de te régaler. T'avais envie de faire une course pour le traverser par exemple, tu peux. Bon, oh, je lui mets un petit coup dans le dos quand même. On est pas des bêtes. Nous. Alors, Dixit, la personne qui va se mettre à côté d'Os de Bard. Bon, lui, il compte pas. Ça compte quand même que pour un. Non, j'ai généré 2 points. Ça compte quand même que pour un. Ah, je suis content, Zinette, ça commence enfin à donner quelque chose. T'as pas plus de force? Ah bah oui, je suis con.
Ah, ça a combien de force un clébard là? 65. 65, hein, et j'ai 54. Hein. Bon, ça, je te dis, hein, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'on se débarrasse pas de ma vigue pour prendre une autre masse, parce que on a mis une masse qui est basée sur la force, ou alors je la passe, ou alors je file tout son barda à House de Bard. À House de Bard, et celle qui passe à l'arme à deux mains, quoi. Ah, bah, on va avoir le même problème, hein. Elle va être très très léger au niveau des dégâts, hein. Bah forcément, puisque puisque c'est basé sur sa force, etc. Mais le problème, c'est qu'on l'a monté comme un tank, donc c'est un problème. Et pas comme une guerrière. Pas comme un DPS. Bon, je pense que tu vas la tuer, j'ai pas besoin de me claquer une déviation. Hein. Non, c'est bon. Se passer, ça, voilà, ton petit couteau qui traîne dans le coin. Sophia, bon, on fera avec Sophia. Hein. Parce qu'elle est pas très compétente, mais bon, on va faire avec. Hein. Ah bah c'est vrai, ça va. Y a un ours là, si jamais. Ouais, mais il va falloir malheureusement cours. Que je... Enfin, tu cours. Pas besoin de courir, voyons. Je sens que t'as besoin de courir. Ah si, je vais avoir besoin de courir. Ah tu vois, t'as besoin de courir, j'en étais sûr. En plus, il est encerclé du coup. Triste, la tristitude, hein. Alors, encerclé, je sais même plus ce que ça fait déjà. Oh, il prend quelques dégâts supplémentaires. Est-ce qu'on le tue maintenant? Alors, là, la question est importante. 20%, hein. C'est pas rien, hein. 20%. Est-ce qu'on le tue maintenant? Ou alors, on se retient de le buter pour en avoir plus qui arrive. Alors, est-ce que t'arrives à tomber 323 points de vie plus 1? Oui. Ok, bah vas-y. Okay, bah, vas-y, en fait. Plus 1. Ah, ok, parfait. Ah oui, la dague. Et ça met fin. Ok, y a pas de renfort. C'est ça. C'est pour ça que je te disais, est-ce qu'on... Ouais, non, c'est rigolo, moi, ça me va. Et la patte colossale. C'est pour le forgeron, ça? Ouais. Ok, bon, on va ranger dans l'inventaire. Bon, de toute façon, on peut tout ranger dans l'inventaire. Tiens, hein. Je récupère mon sel. Non, non, il faut pas que tu vois combien on a de réserve de nourriture. Jamais, jamais, il faut que tu vois, Shinai, combien on a de réserve de bouffe. Non, ça, t'es obligé de le garder sur toi, je crois. Je suis obligé de... Je vais dissimuler cette information à tes yeux si fragiles. Pas me permettre. Tu sais que je regarde les... Tu regardes les épisodes? Ouais. Ah, je savais pas, moi. Voilà, tu vois, on traverse des crises alimentaires très difficiles ces temps-ci. J'ai mal quand je regarde les épisodes et que je vois l'inventaire. Mais non, ça va. Ah, t'abuses, hein, Shinai. Hein. Tu devrais pas regarder des choses comme ça qui sont pas de ton âge. Il y a des choses qui sont quand même très violentes, faut pas l'oublier. C'est pas pour tout le monde. Bon, on a récupéré tout le monde, machin, tout ça. Y a plus qu'à aller se faire voir, non? Ah, maintenant ouais. C'est bien, ils ont mis OK, point d'interrogation, donc on a toujours pas fini celle d'Arthès. Je vais la check, hein, juge. Ouais, et au passage, faudrait mettre quelqu'un sur l'étoile. Ah, ok, c'est bon, j'ai la réponse. Ah. J'ai notre réponse. Il faut attendre la nuit pour tomber sur la bête. C'est écrit sur le papier. Bah, je sais pas, genre c'est la dernière phrase. Tu prends celui où il y a point d'interrogation, hein, tout en haut. Ah si, c'est dans notre inventaire commun depuis une plombasse. Oui, depuis une plombasse, ouais. Non, il faudra y aller et camper pour attendre la night. Bah on peut y aller, non? Ouais, on peut y aller. Let's go. Et il me restera encore une bombe de corrosion pour rigoler. Je sais pas où on va, je sais pas où... Oh, y a une grotte ici, est-ce qu'il y a du métal? Encore une toujours. Déception, c'est ça? Ah non, c'est bon, pas de déception. C'est pas une déception aujourd'hui. Let's go. Oh, la couleur de l'anneau a changé. Ouais. Et maintenant, il faut moins d'XP pour monter, par exemple, un bûcheron que certains métiers qui sont... Ouh, bébé! Bébé! Moi, j'aime beaucoup que tu récupères autant d'agglomérats gris d'un coup. Tu t'as vu les résultats? 6 de Glomera Gris, ouais. 5 de Terry. Ouais, je t'ai remonté ça. Hein. Attends, j'entends te remonter ça. Je t'ai remonté ça dans l'inventaire. Hop, et j'ai redéposé. Bon, on a un peu de stock de fer, évidemment, comme d'habitude. Je sais pas où on va là. Bah là, il faudrait qu'on aille sur la gauche. Mais j'avais vu le petit campement là qu'on avait pas. Je sais pas si on l'avait pris. Donc, si, ça a été pris. On l'a pris. Des réfugiés qui fuient la montagne. On peut pas se mettre un petit piton dans ce creux là? Non, je crois pas, non. Ah, je sais pas, au cas où il y aurait un truc secret, tu vois, un truc caché. Tu veux pas essayer dans le lac?
En lac non, mais non, mais je suis vraiment sérieux, c'est voir s'il y avait pas un truc caché. Regarde au-dessus de ma tête, il y a un truc écrit embusqué. Ah, t'es embusqué? Tu veux qu'on se fasse des loups en embusqué? Vas-y. On n'a pas de viande. Allez, faut manger un peu là. On n'a plus de viande de loup. Si tu veux que je te prépare des petites côtes de loup à la bière qui donne plus 20% de dégâts critiques, faut buter du loup. Parce que je vais pas en acheter. Sauf si vraiment t'insistes pour que je dépense tout notre pognon dans la bouffe. Je peux m'arranger. Faudrait qu'on arrive à avoir le hérikok de mouton aussi. De ouf. Il me manque. Ah, les pieds dans la boue, ça intéresse pas grand monde. Taurus, tire-toi de là. Taurus, par là. Très bien. Mavig, tu sers à rien, t'auras les pieds dans la boue. Tu peux récupérer Mélanine si tu le souhaites. Moi, je déplace pas plus de monde. Ah si, j'ai deux places encore. Oh, j'ai deux places, vas-y, je te récupère un lieutenant Will. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas un gros barbare qui ait fait... Ah, d'ailleurs, on vient de placer... Ouais, j'avoue, il y a un petit paquet là. Bah, oui. Attends, il y a un petit paquet là. Là, si je viens ici, là, il y a un petit paquet. Il y a un petit pack, hein. Il y a un petit pack, un petit tout pack. Bah, après, je m'isole un peu, hein. Oh, c'est pas bien grave, on va te rattraper. Hein. Voilà. C'est bon, je crois qu'on est rangé comme il faut. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. J'ai juste un chien à côté de moi qui me regarde chelou. Est-ce que je peux courir ici? Parfait. Ou le massage de côte, hein. C'est pour ça qu'on récupère des côtes de loup. Exactement. Il y en a un qui jouera plus jamais. Deux. Et bah, 2 plus 1, ça fait toujours 1. Voilà. Et du coup, 4 plus 1... Oh bah, je sais pas, mais voilà. Je sais pas compter, mais, monsieur. Mais moins. C'est votre question. La réponse à votre question, monsieur, c'est moins. Tu sais que ça me fait très bizarre parce qu'on est 11 à jouer dans ma squad. On est peut-être 20 à jouer. Ça fait trop bizarre. Est-ce que tu veux que je joue un capitaine pour donner des points? On n'est pas glorieux en points. Vas-y, donne des points. Non, mais on n'est pas glorieux non plus au niveau du placement pour les points. Ah, j'aurais dû peut-être être à la place Échanger de... Lieutenant Will, oui. Lieutenant Will. Tac. Le problème, c'est qu'on ne peut plus échanger nos places. Hop. Non. Zinlen... Tirailleuse. Et toujours là, Tirailleuse. Je cherche toujours quelqu'un à cibler autre que les potes et bah Tyrieuse en fait. Alors la vraie question c'est est-ce qu'avec ma lame à la con je touche les deux chiens? Vous ne touchez aucun chien. Comment ça? Ah ouais leur socle est pourri. Oh là là. C'est vraiment ça ma vie de merde? Ma VDM absolue? Si cette attaque touche plusieurs unités, crée un feu sous chacune d'entre elles. Bah ouais, je vois. Je vois, Jean. Ah, ça touche vraiment pas... Putain, c'est le démon de la mine. Je pourrais te masser les côtes, vu que t'as pas d'armure. C'est vrai que ça pourrait se faire. Masse-lui les côtes. Masse-lui les côtes. On a dit massé, pas traumatisé. Oh, il lui reste rien le con. Eh ben je t'invite à ne pas bouger, comme ça t'as toujours ta riposte. Mais moi je veux aller taper ce moulin. Tu peux le taper? Bah oui, j'ai encore mon attaque de base. Ah bah vas-y alors. Je suis même en train de me demander si je me place bien. Parce que là il est en train de me dire si je me mets là, genre je le touche même pas avec mon attaque à 2 mètres. Mais si je le touche, le jeu il me ment. Mais par contre je touche qu'un loup quoi, j'en touche pas deux. Bah engage tout fait... Ouais. Je vais lui mettre... je crois pas que je le tue. Hein. Ah si, y a moyen. Bon bah il est mort. Bon allez, c'est vraiment pour l'équipe que je fais ça. Est-ce que tu veux bien montrer tes fesses à mes compagnons? Voilà. As-tu vu ce petit cul de toutou qui remue avec sa queue-queue là?
C'est pour ouais, toi. Ouais, j'en vois un là aussi à côté. Si je tourne la tête à droite. J'abuse et je joue Taurus ou pas? Je voudrais faire un truc avant, s'il te plaît. Vas-y. Alors, on va se mettre ici. Bon, on va buter ça. C'est dans le passage. Du coup, tu peux même aller jusqu'au capitaine. Je peux pas. Ah si, je peux... Bah, avec une course, si tu veux. Pour avoir tous les chiens... Non, pas ceux qui sont là, justement. Avoir tous ceux qui sont derrière. Là, ah, oui, là. Ils vont peut-être aller... Ah, ils vont peut-être aller sur... Ouais, si tu peux essayer d'avoir les trois là, la ligne des trois là, paf 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 à peu près, ouais. Ouais ouais je pense. Alors, place-toi bien, il faut que tu le laisses sur l'angle, ce loup là, sur l'angle de ton truc, de ta zone, voilà. Je peux pas, je peux... Et si c'est bon, là tu l'as. Là il est dans ton cercle hein. T'as le milieu de son socle, c'est bon. Il est dans ton cercle. Parce que lui, il va vouloir venir sur nous, mais de toute façon il va se prendre un Taurus dans la gueule. Parce que Taurus va donner de l'ordre. Il va donner ordre. Ordre de tuer compagnon à 64%. Oui, je sais pas pourquoi dans ma tête, Taurus il est russe. Peut-être parce qu'il y a le mot russe dedans. C'est peut-être, mais je sais pas sa barbe, je sais pas sa gueule. En plus, j'avoue, il a vraiment une. En plus, le Taurus il a un peu une gueule presque du God of War. C'est vrai. Kratos. Mais il est pas russe, Kratos. Il est grec. Oui, mais. Ouais, bon, fait comment Gordon, il a presque une tête de turc en plus, mais bon voilà, on dira rien. Donc tu vois, ce clébard là, je vais le régler. En effet. Parce qu'il avait tort de ne pas être russe. Alors, je peux même l'achever et tabasser l'autre loup. Ce loup là ne va pas bouger si tu restes au cac au passage. Et je me désengage. Pouvoir faire un truc inutile. Sur 20. Voilà. Ouais, corruption. Voilà, j'ai rien d'autre à faire de plus inutile. C'est pas grave, c'est Taurus qui bouffe. Voilà. Taurus c'est fait. Attends, je vais tuer le loup. Je tue le loup. Bah, tue-le alors. Je tue le loup et je te mets un homme au milieu en plus. Merde. Regarde comment je le fais ça bien. Alors faudrait que je reste en contact avec le monsieur. Je me mets comme ça. Et là normalement ils viennent pour moi. Normalement c'est pour moi. Oh, 400. C'est un peu léger. Hein. C'est un peu léger, ouais. Ça ne reste pas un ours encore. Ça ne tue pas un ours. Moi, je pense que j'ai tout donné. Hein. Si t'as des choses à créer, à faire ou à parfaire, n'hésite point. Si tu veux juste que j'utilise Lieutenant Will pour te donner des points bonus, éventuellement, sur Edenal, avant de passer mon tour, par exemple. Ouais, je peux faire ça à l'occasion. Tu peux faire ça, ouais. Non, mais c'est vraiment la seule manœuvre que j'ai après. Vas-y. Tu veux que je fasse ça? Oui, vas-y. Alors... Ils sont plus que deux là donc. Non, mais ils ont pas mal de morale hein, quand même. Ils sont 11, il y a deux loups, il y a 11 personnes qui sont en train de les tabasser, de les saigner, il y a tous les cadavres de leurs potes. Ils ont pas fui encore. Ah, mais ils ont un moral qui est solide hein. Ouais, officiellement, c'est nous qui avons un moral de trouillard. Hein. Je sais pas d'où ils le sortent, mais officiellement, nous sommes des trouillards. 508, c'est mieux. C'est une pigeot. Non, bah attends. Oh. Oh coco, ouais. Tu rêves, hein. N'oublie pas de passer ton tour. Passe ton tour. Ah, il faut appuyer sur le barre espace. Tu nous aurais fait gagner 2 points. Voilà. On a réparé la rayure sur la peinture. Hop. Et continuer. Faire un petit tour au camp. Ouais. Poser les carcasses. Je sais que c'est ton moment préféré. Ah, t'as mis des carcasses fantômes sur l'étendoir? Bah oui, pour faire de la peau fantôme. Mais pourquoi on a mis personne alors? Bah parce que je t'ai dit qu'il fallait mettre quelqu'un. Oh, il m'écoute pas! Attends, tu veux dire que moi j'écoute pas? Ouais, toi t'écoutes pas, ouais. Ok. Je te déplace des gens.
T'avais qu'à mettre ta Sophia aussi, hein, au lieu de te plaindre. Hein, 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 ça se plaint beaucoup, mais voilà. C'est, vrai, non, c'est bon, c'est fait. J'ai mes gars. Non, j'ai zappé. Oh. Ils sont pas là. Scusi. Ils sont en bas. Qui est pas là? Bah, Barthes. La troupe de Barthes. C'est plus bas. Ok. Nous sommes téméraires et nous sommes célèbres. Yeah. Ah bah tiens, je les ai trouvés. Ouais, j'arrive. Je cours Forest. Donc ce sera de la fraternité, hein, la faction. Ouais, ouais. Vous! Je ne peux plus d'entendre ces pecno-gendres. Vous avez brûlé la taverne. Barthes est un soulard. Il salit le nom de la fraternité. Fabien, tu déconnes. Ils l'ont reconstruit en un rien de temps, leur maudit Oli. Je vois pas de quoi ils se plaignent. Ouais, tabassé. Alors, il y a des équipiers, il y a des tueurs à gages, il y a des flèches, il y a des ravageurs, il y a un ravagé de la gueule, il y a un tueur engagé, il y a un porte-paix, un porte-peste, ouais, casser la gueule, casser la gueule. Je suis très curieux de voir leur casque en vrai. Ils ont tous des casques. Ah oui, j'avoue. Les casques. Ah oui, du coup, même les icônes sont casquées, trop bien. Ouais, ouais, on peut choisir bien. Les... Ah oui, involonté, 2% de crit. Ah ouais, ils sont bien les casques. Ah, casque lourd de la fraternité, ils sont bien. Hein. Posture du porc épic. Tant qu'elle est engagée, cette unité reçoit 5% des dégâts subis en mêlée. Hein? Ok. En gros, ok, d'accord. Ok, ok. Excès de confiance. Si cette unité a encore de la garde, attaque une à nouveau une fois. Pas mal ça! Elle est bien la petite hache. La petite hache de la fraternité. Ah, là. Elle est pas mal aussi la chapelle de la fraternité. Elle est pas mal. Ouais. Confère la brutalité aux potes autour. Bon, nous on a un taurus, hein, donc on s'en fout. Les dégâts de cette unité sont augmentés d'un montant égal à la moitié de sa garde. Pardon. Ah, par contre, même le béret de l'archer, il est trop bien pour toi. Hein. Oui, oui, à chaque fois. C'est quoi le béret de l'archer? Bah, il permet d'utiliser ton arc même en étant engagé. Et il donne de l'armure. Pas mal. C'est ce qui n'a pas de prix. Il y en a un mieux, en vrai. Bah, je pense qu'il y en a. Bah, là, c'est le casque de base, mais je veux dire, même le casque de base, t'es content de le prendre. Tu fais, mais je prends, on sait jamais. Ouais. Déjà, c'est de l'armure en plus, rien que ça, ça se prend. Attends, il y a Mavig et Sophia qui étaient un peu. J'ai rangé personne encore, là. Ouais. Par contre, où est le chef? Parce que je voulais regarder sa hache à lui. Il va avoir une hache légendaire dorée, là. Il est où ce hop. Il est où Bart? Au centre. Il est où Bart? Il est où le gros? Ah, le gros il est là. Tu peux rapprocher Sophia si tu veux. Elle est où? Ah cool. Dans mais t'as encore Mavig à aller récupérer. Ouais ouais, mais Mavig, bon, vu que c'est une grosse lourdeau qui tapera jamais personne. C'est une grosse lourdeau qui tapera jamais personne. Et ben. Attends, il y a un prank là? Voilà, je pense que nous avons fait deux escouades. je te laisse regarder un peu la hache de... Oh putain, la blague. La hache de l'autre, là. La hache de Bart. Pourquoi t'as fait deux squads? Ça, deux squads. Bah, comme d'habitude, j'ai fait deux squads. C'est-à-dire, une équipe de 10, une équipe de 1. Allons-y, on l'encercle. On les encercle. Je vois pas où est le problème, là. tu vois un problème, toi? Moi, j'en vois aucun. Je te laisse juste regarder sa hache. L'âge de ce garçon là. Donc 60 à 80% de force. Critique applique désarmement à la cible pendant un round. Donc ne peut plus utiliser de compétences nécessitant l'usage de son arme. Ne fonctionne pas sur les champions. C'est cool. C'est cool. Surtout les sbires de là, c'est rigolo quand même. Les armures sont pourries. C'est un peu de la merde. Le bouclier est à chier, mais bon. Enfin, pour moi, le meilleur bouclier, c'est le sien, lui. C'est le sien. Est-ce lui, que j'irai pas impacter ces deux-là? Ouais, parce que comme ça, tu tombes l'armure de la flèche. Et bah, t'es. Bon, à mon avis, y a pas que l'armure qui tombe. Hein. Mes avis que si ça fait un critique. C'est surtout pour que tu chopes la brutalité, l'inspiration. Hein. Voilà. Alors, regarde là.
Bonjour, j'ai dit qu'il n'y avait pas que l'armure qui tombait. Il y a la tête, alouette. Ah, il joue juste après. Je pense pas pouvoir le tuer. Je vais donc le provoquer. Alors, je vais mieux me placer parce que j'ai du move. Donc, je vais essayer de foutre le plus possible ses coéquipiers, les empêcher de me contourner. Je vais le provoquer. Et je vais lui masser la tronche. C'est pas moi, c'est lui qui a glissé, chef. Hein. Voilà, je me cache, chef. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, chef. Tu disais quoi de... J'étais en train de stratégiser comme un ouf. Oh, attends, le gars, peut-être, machin, tout ceci, cela. Eh, mais en vrai, là, on est en train de faire un épisode de plus d'une heure, hein, hors de question. Hein. Eh, stop, hein, on arrête tout, là. On arrête tout. Ça fait une heure qu'on tourne. Ça suffit. Je veux des épisodes. J'en ai marre de tourner 4 heures pour avoir un épisode. Des épisodes de 1 heure, bien sûr. Évidemment, le grand classique. Évidemment. 1 heure, 1. Non, je pense qu'on peut se regarder la suite de ce combat. Savoir si Taurus survivra au prochain épisode, quoi. Au revoir, ton tube. Bisous, ton...